Je pense que nous sommes à la fin de la cérémonie. Les dernières recommandations de deux signes, que ce n'est pas la négligence que le peuple haïtien en est arrivé là. Les doctrines ancestrales qui ont servi la force de l'Haïti ont été oubliées par le peuple haïtien. Et c'est un pays qui a de la force et qui pouvait s'engager dans des luttes pour sauver l'humanité noire. Mais, en cours de chemin, ce qui était prédit par l'ennemi ont connu des complots dans le peuple haïtien. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on ne trouve pas ce dont nous avons besoin pour avancer. La négligence, le fait qu'on oublie les forces de nos ancêtres, des grandes divinités comme Daido Wedo, qu'on a oublié dans sa mission, les grandes divinités comme Sagwata, qu'on a délaissé, les grandes divinités comme Gubadagri, qu'on a délaissé. On a cru que la couleur de l'ennemi, qui est la couleur blanche, pouvait nous sauver en quelque chose. Non. Le vent est en train de dire, d'aller dire au peuple haïtien que toutes les religions qu'on les a imposées sont les enfants du vaudou. C'est une partie du vaudou qu'ils ont eu à réfléchir pour sortir ces religions, pour mal les servir. Et qu'ils doivent retourner
aux forces de leurs ancêtres, qui doivent retourner à la tradition de leurs ancêtres pour retrouver le chemin du salut de l'Haïti. Et cette divinité citée ici, nous devons connaître des sacrifices à la grandeur d'un pays et non à la grandeur d'un être. Parce que quand vous consultez pour une personne, c'est tout autre chose que le fa vous dit. Quand vous consultez pour un mâle, pour une femme enceinte, pour un nouveau-né, ou pour les affaires de la vie, c'est d'autres recommandations que le fa vous donne. Aujourd'hui, nous consultons au nom du peuple haïtien, au nom du chaos que vit le peuple haïtien. Et ce chaos, ce qui a été révélé par l'oracle, doit être respecté pour que nous retrouvions la paix dans ce pays. Nous avons invoqué dans une autre consultation la lumière et la bénédiction de notre empereur Dessalines afin qu'il nous assiste dans ce complot qu'on a à nouveau.